La personne qui m'a emprunté le briquet va falloir venir le chercher dans ma poche. Bon courage. Alors, voici un petit morceau de film moderne et voici comment il ne brûle a priori pas. Pas maintenant. Bon, il brûle pas, quoi. Il brûle pas. Ça vous prend. Bon. Ceci étant fait, voici maintenant un petit morceau de film nitrate. Je vais en brûler 20 cm. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand une bobine de 600 mètres brûle sur elle-même. Vous allez voir, voir un stock. Oui, ah oui, un truc très rigolo. À la fin des années 70, il y a personne de la Cinémathèque ici. Non, parce qu'en fait, je vais détailler. Il y a eu un incendie dans un de leurs stocks, et ils y sont pour rien, qui s'appelait le Pontel. Et alors, le principe de stockage à l'époque était très simple, c'est-à-dire qu'on sur une étagère, on mettait les copies originales, le négatif de sauvegarde, la copie de projection, et toutes les autres copies, quoi. Donc comme ça, quand ça cramait, on était bien, bien sûr que tout y passait, quoi. C'était vraiment merveilleux. Voici donc un petit morceau de genre de 20 cm. Oh, merci, filmé. Si ça se retrouve sur YouTube, ce sera la faute de Frédéric Tan. On y va. Voici un petit morceau de 20 cm. Allons-y.